Bonjour, c'est Smaël d'Artcadémie Atelier et j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, j'aimerais qu'on étudie comment exagérer la caractéristique, comment exagérer le nez. Je vous propose qu'on se retrouve devant la feuille. À tout de suite. Pour voir la forme du nez, faut savoir qu'il n'y a pas véritablement de bord dur sur le nez. Donc, lorsque je touche ici, à ce niveau-là, mais on a plus affaire à des courbes. Le raccourcissement de la perspective et l'absence de bord dur peuvent nous tromper et nous empêcher de voir l'œil tel qu'il est réellement. C'est pour ça que je vous conseille d'étudier le nez dans différentes vues, que ce soit deux faces, de profil, de trois quarts, pour que vous ayez tous les angles et pour que vous puissiez ensuite les redessiner dans plusieurs angles différents. Quand vous avez la tête du sujet qui est de la personne que vous observez, soit d'après photo réelle et inclinée, on peut voir le bout des narines et le nez lui-même semble paraît plus court quand je lève la tête de cette manière. Et il va paraître plus long forcément quand je baisse la tête. Donc si le nez est incliné vers l'avant, il paraît plus long. On va avoir trois mesures différentes pour le nez. La largeur, la longueur et sa forme générale et la forme générale du nez. Regardez quand vous dessinez le nez, regardez le nez et faites des comparaisons entre lui et la forme du visage. Pensez à la relation entre le bas du nez et les yeux, où se situe le bord extérieur du nez par rapport aux yeux, la distance à laquelle tu dessines le nez par rapport aux yeux et ça va affecter la perception de la largeur du nez lui-même. Un nez dessiné plus près de la ligne de l'œil paraîtra plus large qu'un dessin qui est éloigné des yeux, qu'un nez qui est éloigné des yeux. Simplifier la forme du nez au maximum, ça va être la clé de la réussite de votre nez pour ensuite l'exagérer, mais dessiner d'abord en forme géométrique. Comme il s'agit principalement de cartilage, le nez est doux et arrondi, sans bord dur, très peu de zones ou de changements brusques de plan qui vont permettre de dessiner des contours nets et définitifs sur le nez. Donc vous voyez, on n'a que des bords arrondis. On va avoir deux zones qui ont une structure forte, c'est l'extrémité du nez. Et l'arête. La racine, elle est définie par l'os nasal. Vous pouvez aussi jouer avec les angles, exagérer. Tu peux aussi jouer avec les angles et exagérer un nez renversé. Tu peux capter une expression distincte. Tu peux exagérer la baisse. Tu peux exagérer la baisse du nez en l'étendant au-delà de la bouche, donc plus bas que la bouche. Et si tu fais une vue extrême de 3 quarts, tu peux exagérer la poussée du nez en augmentant le volume en fonction de la distance à laquelle le nez dépasse du visage. Et souviens-toi qu'il faut bien exagérer, souvenez-vous qu'il faut exagérer et non pas déformer. Très bien, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous voulez en savoir davantage, réalisez 4 heures de formation où vous apprenez comment dessiner un portrait, comment dessiner le corps humain et comment dessiner les valeurs, donc les ombres et les lumières. Tout ça, c'est sur le lien qui se trouve juste en dessous de la vidéo ou au-dessus. Sur ce, transformez vos dessins et vos peintures en chef-d'œuvre. Je vous souhaite une excellente journée. Ciao. Thank you.